Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, je veux en tout cas vous dire notre engagement, celui du président de la République de Côte d'Ivoire, celui du gouvernement, de tout mettre en œuvre pour avoir un outil efficace pour lutter contre le terrorisme qui est vraiment la menace de demain. Je veux aussi vous saluer, à travers vous, le ministre de l'Intérieur français, pour toutes les contributions à nos fêtes à l'occasion de la sortie de crise. Nous avons bénéficié du soutien de la France, de la gendarmerie française, de la police française, dans les premières heures qui nous ont permis d'avoir le résultat dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est-à-dire, à bonne date, d'avoir les outils, les moyens pour faire face à la situation de dégradation d'après-crise. Et après, évidemment, on avait le temps de structurer les choses. Nous avons ici un comité national de sécurité que je préside, qui réunit toutes les forces, police, gendarmerie, tous les ministères qui ont des compétences. En tout cas, soyez les bienvenus. Je suis convaincu que votre passage sera un élément qui va accélérer tous les dossiers que nous avons en commun et particulièrement le dossier de l'Académie antiterroriste. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous en Côte d'Ivoire. Je trouve, comme vous l'a dit hier le Président, que votre séjour est bien trop court pour un espace comme Abidjan, la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de choses à découvrir qui nous permettent de relativiser un peu toutes ces pressions qu'on a dans nos charges quotidiennes. En tout cas, je vous souhaite que vous puissiez donner la chance et l'opportunité de revenir en Côte d'Ivoire pour que vous puissiez mieux connaître ce pays que vous découvrez. En tout cas, soyez les bienvenus et merci d'avoir fait cette escale à Abidjan et particulièrement au ministère de la Défense. Vous avez, Monsieur le ministre, abordé le contexte international que nous connaissons. Il y a deux poches d'attention particulière de développement du risque terroriste, nous le savons. C'est à la fois au Levant, avec les évolutions que nous avons connues ces dernières semaines. Je sais l'importance de nos échanges, mais il nous faut le renforcer encore. Et puis il y a ces enjeux de formation, de sensibilisation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, ce projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a pour nous une double ambition. D'abord celle de former les cadres de demain à l'opérationnalité, à la prévention, au renseignement, sujet particulièrement important, mais aussi au traitement judiciaire qui sera traité dans ce cadre-là et qui dépasse nos ministères et nos compétences ministérielles. Je sais aussi vos réflexions sur la réforme territoriale engagée sous votre autorité de la gendarmerie avec les créations de régions, les réflexions sur une nouvelle structure, autant de sujets sur lesquels, là encore, nous pouvons non pas vous conseiller, parce que ce serait immodeste et je sais que vous n'en avez pas besoin, mais vous accompagner par rapport au retour d'expérience que nous pouvons avoir sur ce sujet. Nous avons échangé sur les questions qui nous intéressent particulièrement, la lutte contre le terrorisme, l'accélération de la mise en place de l'Académie de lutte contre le terrorisme, volonté de nos deux chefs d'État. Nous avons également parlé de la coopération qui est très dynamique entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de la sécurité avec les forces de gendarmerie. Et nous avons vu comment accélérer ces choses-là. En tout cas, ça a été un très grand honneur. Nous avons dit au ministre notre admiration de voir avec la grande sérénité avec laquelle il gère ce ministère très complexe. Et à titre personnel, c'était un grand bonheur de le recevoir en Côte d'Ivoire et on espère le revoir. Nous avons regretté que son séjour soit si court. Nous comprenons les charges qui lui incombent et donc nous avons l'espoir de le revoir très bientôt en Côte d'Ivoire. Ce projet d'académie est un projet majeur. D'abord parce que la formation est essentielle, la formation au renseignement, la formation aussi pour les forces d'intervention, d'interpellation et de sanctions. Il est majeur aussi dans ce lien avec l'autorité judiciaire face au terrorisme, mais il est majeur aussi politiquement pour la Côte d'Ivoire. Et le choix de la France de construire avec le président
Ouattara ici, cette académie, c'est vraiment la volonté aussi de confirmer la place et le rôle majeur que joue sur la région africaine qui nous accueille aujourd'hui, la Côte d'Ivoire.